Eh bien, salut tout le monde, c'est Fareydj et bienvenue sur cette nouvelle aventure sur Final Fantasy XIII-2. Et au passage, merci Internaute pour le sub, ça fait plaisir, merci à toi. Bonsoir à tous, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve après je sais pas combien d'années ça fait que j'ai fait FF13. Juste par curiosité, tiens, je vais aller regarder. J'avais commencé le jeu, je me souviens, j'avais commencé le let's play d'FF13 en disant que je ne ferais potentiellement pas les autres parce que, donc FF13-2 et Lightning Returns, parce que le 13 se suffit à lui-même. Et là-dessus, je reste sur ce que j'ai dit. 2015, ça fait 5 ans. 28 août 2015, le premier épisode de Final Fantasy XIII. Oh là là, ça date. Eh, 10 500 vues quand même, l'épisode de FF13. Pas mal. Pas mal du tout. Je dirais 2015, mais pff, en même temps, pourquoi je m'embête à aller regarder, vous connaissez mieux les trucs que moi. Bon alors, on se retrouve pour Final Fantasy XIII. Alors je vais vous faire un petit récap avant qu'on commence, parce que le récap est disponible dans le jeu directement, pour ceux qui n'auraient pas fait le Final Fantasy XIII. Mais en fait, ils ont fait un récap pour chacun des 13 chapitres de Final Fantasy XIII. Donc si je vous passe les 13 récaps, je pense que la moitié du stream c'est les récaps. Donc on va faire un truc un peu plus condensé, mais disons qu'en fait... Final Fantasy XIII, c'est quoi? C'est deux civilisations, la civilisation de Pulse, qui est une grande planète, et Cocoon, qui est une espèce de lune pseudo-mécanique, qui est dirigée par des entités robotiques qu'on appelle les fal'Cie. Et dans cette lune de Cocoon vivent également des humains. Et c'est la grande guerre entre les fal'Cie de Pulse et les fal'Cie de Cocoon. Et au milieu de tout ça, on a un petit groupe de genoux qui se retrouvent être chargés d'une mission par un fal'Cie de Pulse. Et suite à cela, ils deviennent les ennemis de Cocoon. Ils vont être empêtrés dans plein de complots politico pas corrects, de tout ce que tu veux, voilà. Et suite à cela, ils vont découvrir qu'en fait, les humains sont en fait... dirigés et même élevés par les fal'Cie, qui les considèrent comme un peu une source d'énergie, une source de nourriture, etc. Et suite à cette découverte, ils décident vraiment de se rebeller contre les fal'Cie. Et l'objectif, c'est simplement d'aller buter le chef des fal'Cie de Cocoon, qui, si on le tue, va permettre à tous les fal'Cie de Cocoon de disparaître. Voilà, en très très gros résumé, et les événements du 13, et ce qui se passe à la fin, on arrive à tuer Orphan, qui est donc le cœur de tous les fal'Cie de Cocoon, et tous les fal'Cie de Cocoon s'arrêtent, la lune s'écrase sur Pulse, et tous les humains doivent partir, doivent arrêter de vivre avec la technologie, repartir de zéro, et s'installer sur Pulse, qui est donc un nouveau monde sauvage... Et il y a tout à faire en fait. Ça me fait penser un petit peu, si vous avez joué à Baten Kaitos, un peu la même chose. Baten Kaitos, ils vivaient dans des îles volantes et à la fin du jeu, les îles s'écrasent et ils doivent vivre sur le monde. Voilà. Mais donc voilà, en très résumé, c'est ça. Et FF13-2 reprend pile à la fin de Final Fantasy XIII, là où ça s'est arrêté. Donc vous allez voir ça. Sachant que donc l'histoire aurait très bien pu s'arrêter là pour le 13, mais ils ont choisi de rajouter des choses qui, ma foi, sont assez sympathiques, mais sont pas indispensables, ça c'est clair. Donc c'est du bonus, mais c'est du bonus qui est appréciable. Je sais que Final Fantasy XIII-2, il a été très décrié, parce que autant Final Fantasy XIII, il est très décrié parce qu'il est trop linéaire, pour ne pas dire qu'il est quasiment que linéaire, et autant FF13-2 il est très décrié parce qu'il n'est pas du tout linéaire. Vous allez voir, on va voyager dans le temps, on va aller dans le futur, dans le passé, dans le présent, et on va jongler entre les différentes timelines. Et en fait c'est un jeu qui a plusieurs fins, on pourra toutes les avoir dans la même run et on tâchera de toutes les avoir. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors non, c'est pas vraiment Cocoon qui se cristallise, c'est Fang et Vanille qui du coup se sacrifient pour former un immense pilier de cristal pour éviter que Cocoon s'écrase au sol et que tous les humains à l'intérieur de Cocoon ne meurent. Donc c'est un espèce de cristal d'arbre pour soutenir Cocoon pour que les humains survivent et puissent ensuite sortir. Voilà. Donc dans tous les cas, vous allez voir, moi j'ai sincèrement FF13-2, j'ai bien aimé, je l'ai fini à 100%, je me souviens que j'ai bien aimé, je me souviens même, je vous en parlerai, pour obtenir une des fins possibles, il y a une espèce de connerie à faire au casino, enfin vous allez voir, c'est assez rigolo. Et non, franchement, j'ai bien aimé. Moi, il me fait beaucoup penser à Chrono Trigger. Pas forcément dans son scénario, mais dans son idée de voyage dans le temps, etc. Et j'ai bien aimé. FF13, c'est l'inverse de FF13-2 en termes de liberté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, ceux qui ont défoncé FF13-2, c'est aussi ceux qui n'ont pas aimé FF13 et qui n'ont pas aimé l'univers de ce Final Fantasy d'une manière générale, je dirais. Donc, j'ai envie de vous dire, chacun ses goûts, hein. Chacun ses goûts, ça, c'est pas... C'est pas très très important. Voilà, on y est. Donc vous voyez ce que je vous disais, si vous allez dans le prologue, vous avez ici tout ce qui s'est passé dans Final Fantasy XIII. Donc vous pouvez lancer et vous faire plaisir. Mais bon là, clairement, on va pas faire ça. Je vais juste, attendez, modifier une commande. C'était où déjà? Voilà, config... non, voilà. Type manette, je préfère qu'il m'affiche les boutons en bas, les boutons de la manette plutôt que les boutons du clavier. Et voilà. Donc, au niveau du son, ça va, c'est vous l'entendez, vous entendez pas trop la musique. Bon là, y a pas, elle est pas très forte la musique, faut dire. Le son est faible. Bon, bah alors on va le lever un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que chez moi, il est assez fort en fait dans mes oreilles. C'est assez bizarre, chez moi il est vachement fort le son. C'est mieux, parfait, là c'est bon. Ok, bon bah alors on va laisser comme ça. Et au pire, de toute façon, si ça devient trop fort ou moins fort, vous me le direz et on verra. Allez, nouvelle partie en mode normal, oui ça ira. Vous avez choisi la difficulté de combat normal, elle est modifiable dans le menu. Ok, on joue en normal. Alors, créons une sauvegarde si vous voulez. Pas de sushi, c'est parti. Alors, FF13-2 enregistre automatiquement la progression. Lorsqu'une sauvegarde automatique, un symbole apparaît en haut à gauche de l'écran, mais on peut sauvegarder manuellement en appuyant sur Start. Ok. Donc n'hésitez pas à me le dire, hein, si vous trouvez que le son est pas fort pendant une cinématique ou quoi, je modifie. Hein. Divine Etra, go peacefully to your rest. I will stand guard over your legacy. This endless realm is awash with sadness. Life and death lose all meaning under the rolling waves of chaos. Valhalla. The currents of time do not touch its shores. Je suis pas sur PS3, je suis sur PC. Hein. In this world of lost moments, I begin my life anew. This eternity, it was never your desire. Is that not so? You... Warrior goddess. Now we cross swords! Lose yourself in battle and rejoice! Soulège, c'est Soulcalibur, internaute. Ah, Soulblade, pas Soulcalibur. Impressive. Save it. Damn you. Enough. Let's end this. That glow. Cast your shadow over all. Wings of night. Faut quand même avouer que le jeu est bien fait, hein. Alors, système de combat, bah ça tombe bien parce que s'il y a bien un truc dont je ne me souviens pas pour ce jeu, c'est le système de combat. Alors, oui, je veux bien dire l'explication. La jauge se déroule en temps réel, mais les actions sont limitées par une jauge ATB qui se remplit progressivement. Ouais, voilà, elle se remplit. La jauge ATB est divisée en plusieurs segments que les personnages dépensent pour effectuer diverses actions au moyen de commandes. Deux commandes, auto-attaque ou compétences, donc ça n'a pas trop changé par rapport à FF13. Ordonner à Lightning d'agir automatiquement. Alors, la compétence lame foudre a été sélectionnée 2 fois. Si les PV de Lightning baissent dangereusement, utilisez la compétence soin du bouclier. Ok. Lorsque vous affrontez plusieurs adversaires, je les sélectionne. Ok. Il s'agit d'un adversaire unique, donc j'ai appuyé sur A. Ok. J'aime beaucoup le système de combat d'FF13, donc c'est bien qu'ils aient gardé le même là. J'aime beaucoup ce système de combat. C'est un système de combat que les gens n'aimaient pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient pas fans, mais moi vraiment, je le trouve dynamique et stratégique à la fois. Il faut être aussi réactif. Enfin, j'aime bien. Franchement, c'est très sympa. Bon, là, de toute façon, c'est le combat tuto. Il y a juste à spammer l'auto-attaque, hein. Allez, fire! Aïe 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 aïe. Allez, faut mourir maintenant, monsieur. Non mais faut mourir là, t'as plus de vie. Eh, oh. Il faut mourir. Voilà. Allez, les petits QTE. Ça, vous allez voir que je vais fail au niveau des QTE parce que je vais regarder le chat au moment où il faut pas. Je le sens venir. J'aime beaucoup Caius Balade aussi comme ennemi, c'est un ennemi que j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup son histoire en fait. C'est terrible parce qu'on sait pas si on est dans une cinématique, dans un combat cinématique, c'est... Esquive. Ça me fait penser au combat Cloud Sephiroth dans Advent Children. Sort ruineux sur gravité. Gravité. Là, je pense qu'on est dans une vraie cinématique. Yeah. Non, n'insulte pas Sora, n'insulte pas Noël, s'il te plaît. Petit lapsus, vous n'avez rien entendu. Allez, je comprends ton impression, Omicron, mais en fait, on n'est que dans le prologue, là. Vous allez voir, je dis rien, mais vous allez voir que, par rapport à certains commentaires que j'ai pu lire, là, dans le chat, vous allez peut-être être surpris. Là c'est juste pour en mettre plein les yeux. Parfait. Allez, prends-toi ces mines et va voir ailleurs si j'y suis. Bon là vous avez remarqué, il n'y a rien à faire à pas spammer l'auto-attaque hein, mais comme je vous ai dit, ce sera pas le cas pour la suite hein. Les mines gravitées on dirait la furidiction, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, combat terminé. Ah, 200% de chance d'avoir du butin rare, j'aime bien ce butin. Voilà, on a terminé le prologue, si je dis pas de bêtises. How do we fight him? This is not your battle. There's something else I need you to do. What? Bring my sister to me. Her name is Serah. Okay. You'll need to use the portal. Your time-gazing friend should have told you how it works. That's a gate? But why me? Because you're the only one who can. You crossed the void and made it to Valhalla. You can find Serah. And together, you can change the future. Wait. I can change the future? Yes. Oh. Good luck charm. Give him to Serah. Right. You got it. I'll track her down. What's happening? Enjoying your little task. Caius? Get to the gate. I'm counting on you. Okay. Not this again. Odin! Do it! What the? Ah! Serah! Lightning! Gotta go! My hopes go with you, Noël cries. Become an arrow through time, and speed your way to Serah. Be there for her, because I no longer can. Il faut savoir se satisfaire de jolies cinématiques aussi au micro, hein. Ça fait partie du truc, hein. Moi, ce genre de truc, là, ça me met la hype pour la suite, quoi.